Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous allons parler d'investissement passif ou d'investissement actif. Alors, êtes-vous un investisseur passif ou un investisseur actif? Sur le marché, il existe deux types d'investisseurs. Celui qui est actif et celui qui est passif. Ici, il s'agit de définir l'un et l'autre. L'actif est un investisseur qui suit le marché et qui réalise plusieurs types de transactions quotidiennement, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle ou de manière annuelle. Il est actif sur le marché parce qu'il rentre en position et il sort de position. Il cherche à trouver le meilleur point d'entrée et le meilleur point de sortie, que ce soit à l'achat ou que ce soit à la vente. Il agit donc régulièrement sur le marché. Il y a bien entendu un deuxième type d'investisseur, l'investisseur passif. C'est un investisseur qui va prendre position sur le marché, mais qui ne changera ses positions que une à deux fois par an. Il révisera ses positions, pas forcément en fonction d'une analyse fondamentale ou d'une analyse technique du marché, mais simplement pour réajuster son portefeuille d'actifs. Il agit donc parfois sans prendre connaissance des informations sur son actif. Il régule l'un avec l'autre. Quand je dis l'un avec l'autre, c'est il régule un actif par rapport à un autre actif, pour obtenir dans son portefeuille un pourcentage équilibré de celui-ci. On peut alors parler de technique de réajustement. Sur des portefeuilles équilibrés à 50-50, sur des portefeuilles équilibrés à 33-33 ou 33, sur des portefeuilles équilibrés à 4x25, sur des portefeuilles équilibrés à 5x20. Il glisse en général dans ce type de portefeuille, différents types d'actifs comme des actions, des obligations, des ETF, des matières premières, des crypto-monnaies, des biens immobiliers. Toute forme d'actifs, quel qu'il soit, faisant appel finalement à des marchés différents. Dans ces deux types de profils, nous avons la possibilité d'avoir un portefeuille d'actifs financiers avec du rendement, mais en général, il est préférable d'avoir un portefeuille à long terme puisque les résultats sont plus performants. Dans ces deux types d'investissements, le passif et l'actif, nous avons deux types d'investisseurs. À long terme, l'investissement passif vous prendra moins de temps, moins de connaissances, plus d'équilibre de marché et aura un rendement à comparaison égale au court terme, plus intéressant sur le long terme parce qu'il y a moins de prise de risque. D'un autre côté, l'investissement actif vous permettra de garder une certaine tension, une certaine adrénaline et un certain niveau de connaissance minimum pour pouvoir agir ponctuellement sur les marchés. En termes de gains, je préfère l'investissement passif que l'investissement actif. Néanmoins, c'est de vous qu'il s'agit. Je vous laisse faire votre choix. À très vite dans une prochaine capsule.